Hey, what's up? J'espère que tu vas bien, que tout se passe bien et que tu fais les choses bien. Aujourd'hui, on va se faire un programme dos, d'accord? Comme tu le sais, le dos, c'est mon point faible. Je commence à récupérer mon dos à la salle. Donc là, je t'ai concocté un programme de trois exercices que je fais à la salle actuellement, d'accord? Ça veut dire que là, faut être prêt. Là, si tu fais cette séance avec moi, c'est pas on va rigoler, on va se faire mal, c'est important, on va construire du dos. Donc prends des haltères, une barre et on y va. Sans oublier l'eau, très important. Ok, micro-cravate, il est dans ma barbe, on m'entend bien. J'ai ma petite feuille pour noter mes séries, le temps de repos qui est juste là. Premier exercice, on va se faire du bûcheron. D'accord? Bûcheron haltère, 3 secondes. Je répète, mouvement, hop, on ramène et on descend. Mais on va rester 3 secondes, d'accord, dans la contraction. J'essaie de bien serrer les poids pour pas qu'on entende trop les poids grincer. On va se faire 4 fois 10 reps avec 1 minute 30 de repos. C'est parti. Hop. 1, 2, 3. 1. Allez. 1, 2, 3. 2. Allez. 1, 2, 3. 3. Allez. 1, 2, 3. 4. Allez. 1, 2, 3. 5. Allez. 1, 2, 3, 6. 1, 2, 3, 7. 1, 2, 3, 8. 1, 2, 3, 9. 1, 2, 3, 10. Ah ouais, je commence à cracher, c'est pas bon. Deuxième bras, on se repose pas maintenant. Allez. 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 2. 1, 2, 3, 3. 1, 2, 3, 4. Allez. 1, 2, 3, 5. On ramène bien en bas et on va chercher. 1, 2, 3, 6. Allez. 1, 2, 3, 7. Allez, comment? 1, 2, 3, 8. Allez. 1, 2, 3, 9. 1, 2, 3, 10. Ok. Je balance mon temps de repos. Je mets mon petit trait. Voilà. Repos, 1 minute, 1:30, d'accord? Là, je suis chaud. Il fait très froid. On va partir à 1 minute, si tout va bien. Et voilà. Ah, le dos, c'est important. Le dos, ça a toujours été mon point faible. Comme je t'ai dit dans mes anciennes vidéos. Moi, tu vois, j'apportais pas trop d'importance au dos parce que le dos, il se voit pas, tu vois. Quand t'es habillé. En fait, quand tu te regardes devant le miroir, tu vois pas ton dos. Donc, je me suis dit, vas-y, le dos, ça sert à rien. Je dois pas bosser. Mais là, j'avoue que le dos, c'est important. Parfois, tu mets des hauts, ton dos, il est tracé. Ou quand tu te vois un peu de derrière, tu te dis, franchement, faut dire un dos, d'accord? Et le dos, c'est très esthétique. Donc, je me suis dit, je fais les choses bien par rapport à ça. Hop, je vais juste mettre mon boîtier de transmission micro à un meilleur endroit parce qu'il est dans ma poche. Voilà, comme ça je le fixe bien. Hop, 1 minute 6. Moi je vais repartir, d'accord? Si tu veux rester jusqu'à 1:30, reste jusqu'à 1:30, ok? Nous, on a faim, on y va. 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 2. 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3, 4, allez, 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 6, c'est bien, allez, 1, 2, 3, 7, comment, 1, 2, 3, 8, ça fait mal, c'est que ça bosse, 1, 2, 3, 9, allez, 1, 2, 3, 10, oh. C'est pas fini. 1, 2, 3. Allez, très bien. 1, 2, 3, 2. 1, 2, 3, 3. Allez. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 5. Allez. 1, 2, 3, 6. 1, 2, 3, 7. Allez. 1, 2, 3, 8. Allez. 1, 2, 3, 9. 1, 2, 3, 10.
Oh. Celle-là, elle m'a fait mal. Mais j'ai pas le droit d'abandonner. J'ai pas le droit d'abandonner. Vous êtes plein, vous êtes beaucoup à être venus sur mon Instagram, à m'envoyer des messages de force, de soutien. Que l'amour dans les messages, que la paix, que la motivation. Et je vous en remercie par rapport à ça. Je vous remercie, je réponds à tout le monde, d'accord? Même si parfois je suis inondé, je réponds à tout le monde. Je privilégie les messages d'entraide que j'ai, les messages de paix sur YouTube. Je privilégie vous que mes propres clients en vidéo. C'est important. C'est vraiment important. Donc, merci beaucoup pour la force. Moi, ça me booste, tu veux. Ça me réveille. Oh. Et là, si je fais ce programme-là, là, c'est parce que voilà, je viens de recevoir deux messages encore. Je me suis fait, bon, dames, c'est bon. D'ailleurs, je vais te dire pourquoi c'était chaud en ce moment-là. C'était chaud. Je vais te dire après cette série-là, là, parce que là, on est à 1-5. On va repartir. Allez, c'est que la troisième. C'est rien. 1, 2, 3. 1. 1, 2, 3. 2. 1, 2, 3. Allez, on va rigoler après. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 5. 1, 2, 3, 6. On va avoir ce dos. On va l'avoir. 1, 2, 3, 7. Allez. 1, 2, 3, 8. 1, 2, 3, 9. 1, 2, 3, 10. On a fait des programmes faciles avant. Là, on passe au niveau supérieur. Là, t'as déjà évolué. Il y a déjà plus d'un mois qui s'est passé, là. Donc, on y va. 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 2. 1, 2, 3, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 5. Allez. 1, 2, 3, 6. 1, 2, 3, 7. 1, 2, 3, 8. 1, 2, 3, 9. On va au bout. 1, 2, 3. Oh. Oh là là, putain. On a la troisième, il en manque une. On a démarré le temps de repos. Ouais, je te disais, là, ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Enfin, très longtemps. Ça fait 5, 6 jours, une semaine que j'ai pas fait de programme de sport. Parce que voilà, comme je t'ai dit, j'avais pour objectif d'acheter une caméra professionnelle, d'accord? J'avais beaucoup de clients en vidéo parce que si tu me suis pas sur Instagram, je suis un vidéaste professionnel aussi. Je fais des vidéos pour plusieurs personnes. Du coup, je me suis dit, j'ai envie d'acheter une caméra pro, c'est mon... En fait, c'est pas un rêve de gosse, c'est un rêve de vidéaste, acheter une caméra professionnelle. J'ai réussi ce rêve. Je suis allé en Belgique pour la prendre. Clairement, je suis parti quoi? Je suis parti un jour, là-bas, à Bruxelles. Ça s'est fait très vite, tu vois. Je suis parti, je dormais à l'hôtel, bam bam, je me suis réveillé, acheté la caméra, retourne en France. Ah, c'était incroyable. Parce qu'il y avait quoi? Police française, police belge, douane française, douane belge. Il y avait tout le monde. Attestation, parce que les frontières étaient fermées. Et c'était un truc de fou. Mais j'ai réussi à chercher ma caméra. J'ai réussi. Et je te montrerai plus tard ce que ça fait en termes de qualité. 1 minute 12. On va rester parce que la fin a été dure. On va attendre jusqu'à 30, allez. Jusqu'à 1 minute 30 pour la dernière. Oh. C'est que l'exercice 1. C'est que l'exercice 1. La séance commence. Allez, on y va. 1, 2, 3. 1. 1, 2, 3. 2. 1, 2, 3. 3. 1, 2, 3. 4. Allez. 1, 2, 3. 5. 1, 2, 3. 6. T'as pas le droit d'avoir mal. Allez. 1, 2, 3. 7. C'est rien. 1, 2, 3, 8. 1, 2, 3, 9. Allez. 1, 2, 3, 10. Si t'as pas mal, tu vas pas avoir de dos. Faut avoir mal. Faut souffrir pour avoir un dos, c'est important. 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 2. 1,
2, 3, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 5. 1, 2, 3, 6. Allez. 1, 2, 3, 7. 1, 2, 3, 8. Allez. 1, 2, 3, 9. 1, 2, 3. 10. Hop. J'ai mis mon temps de repos. Mon quatrième trait. Très bien. Bon, toi, tu prends 2 ou 3 minutes de repos. Et on passe à l'exercice suivant. Deuxième exercice, on va se faire du rowing à la barre. Si t'as pas de barre, tu peux prendre des haltères, d'accord? C'est pareil, le même mouvement. Ok? Si t'as des haltères, hop, tu prends tes haltères, tu te baisses et hop, tu ramènes derrière, tranquillement. Pour ce rowing à la barre, on va se faire en prise large, d'accord? Très important. On va taffer le dos en largeur. 4 fois 10 reps. C'est parti, on y va. Bah tiens, j'ai même envie de faire un truc de ouf. On va mettre 3 secondes aussi pour le rowing. Allez. Hop. Ma petite technique, j'aime bien prendre un soulevé de terre comme ça. Et on y va. 1, 2, 3. 1. 1, 2, 3. 2. 1, 2, 3. 3. 1, 2, 3. 4. Allez. 1, 2, 3. 5. 1, 2, 3. 6. 1, 2, 3, 7. 1, 2, 3, 8. 1, 2, 3, 9. 1, 2, 3. Ok. Mon petit trait. Mon temps de repos. Oh. Comme je te disais, là, quand je suis parti chercher ma caméra, les policiers, la douane, c'était incroyable. C'était incroyable parce qu'en fait, si tu vois les frontières de la Belgique, bah t'as pas le droit d'y rentrer normalement avec le Covid. Parce qu'il y a des variants anglais, il y a des variants sud-africains, il y a des variants bretons. En fait, à chaque fois, il y a des variants. Il y aura un variant parisien, il y aura un variant du 9-3, du 9-4. À chaque fois, c'est ça. Donc là, c'était compliqué. Moi, je savais pas tout ça. Je me suis fait, ah ouais, c'est chaud. Et normalement, je devais être accompagné, tu vois. Je devais aller avec madame, mais c'était trop compliqué. Donc, madame, elle n'est pas allée. Je suis parti tout seul. Je suis là, je me suis fait, comment je vais faire, dames? Ça va être dur là-bas. Mais bon, je me suis dit, je viens moins de 48 heures. Parce qu'il y avait marqué, si vous venez pour plus de 48 heures et tout, remplissez le formulaire. Mais il précisait pas. Donc moi, je me suis dit, attends, je viens que 12 heures là-bas, c'est bon. Et j'ai dit ça aux douanes. Et le douane m'a dit, effectivement, il n'y a pas marqué ça sur le site. Bah, c'est bon. À partir du moment où j'ai dit, je suis venu faire un achat important dans l'audiovisuel, ils m'ont dit, vas-y, c'est bon, il n'y a pas de souci. Je vais montrer facture, ce que j'ai acheté. On a même parlé de caméra. Là, il est 22, on va bientôt partir. On a parlé de caméra avec la douane. Et c'était trop bien. Bon, c'est parti. Là, tu vois. Je suis tellement pas concentré que j'ai arrêté la vidéo au lieu d'arrêter mon temps de repos. Allons, on y va. 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 2. 1, 2, 3, 3. Allez. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 5. 1, 2, 3, 6. Allez. 1, 2, 3, 7. 1, 2, 3, 8. 1, 2, 3, 9. 1, 2, 3, 10. Oh. Oh. 2. Hop. Ça, c'est ça. Quand je suis pas concentré, j'arrête la vidéo au lieu d'arrêter le chrono. Oh. Ah, mais franchement. Déjà, aller en Belgique, c'est facile. Pour moi, les frontières, enfin les policiers belges étaient conciliants. Parce que t'as une attestation à remplir, quand tu la remplis, ça va, tu la remplis, tu fais les choses bien, ils te laissent passer. En France, pour aller, enfin de Belgique pour aller à la France, faut l'attestation, plus un test PCR, plus tu dois dire pourquoi tu viens là, d'accord?
Et j'ai envie de dire que si t'es étranger, c'est encore pire. Si t'es français, ça va. Moi, j'ai dit aux policiers, écoutez, sur les textes de loi, sur les lois belges ou la française, il a marqué 48 heures. Je suis venu 12 heures. Je suis sorti en France pour aller là-bas 12 heures. Je suis pas parti en vacances. Je suis parti de manière purement professionnelle. Tu vois, j'ai dit j'ai une entreprise dans la vidéo et tout, alors que j'ai rien, tu vois, mais j'ai argumenté. Quand t'achètes une caméra à plus de 4000 balles, tu vois, t'as le droit de parler. T'as le droit de dire, écoutez, voilà, moi, je suis chef d'entreprise et ils m'ont laissé passer. Mais heureusement, j'ai pas payé d'amende parce que sinon. Là-bas, là, les amendes, 230 euros en Belgique, ça rigole même pas. Déjà en France, 135 euros, c'est chaud, mais en Belgique, c'est noir, c'est hardcore. Une 30, on reprend, c'est parti. Oh. Allez. Une, deux, trois. Une, deux, trois. Deux. Une, deux, trois. Trois. Une, deux, trois. Quatre. Une, deux, trois. Cinq. Une, deux, trois. Six. Une, deux, trois. Sept. Une, deux, trois. Huit. Une, deux, trois. Neuf. Une, deux, trois. Hop. Oh. Montrer mon chrono et on est bon. Oh. Ouais, franchement, heureusement que j'ai pas payé d'amende. Tout s'est bien passé. Par contre, les mecs, là on est en plein sport, d'accord? Mais j'ai mangé un grec là-bas. Oh là là là, c'est incroyable. C'était incroyable. Tu vois, si t'es en France. Tu sais que nous, les Grecs, voilà, c'est Grec, chicken et tout, mais à Bruxelles, je suis parti dans un endroit où il y avait la viande de Grec plus du chicken dedans au même prix qu'un Grec normal. Ça veut dire qu'en France, ça s'appelle un supplément. Là-bas, ça s'appelle un mix, d'accord? Un mix. Un mix au même prix, d'accord? C'est pas un supplément où. Plus de balles, plus. Non, c'est un mix. Parce que, en fait, en Belgique, les gens aiment manger et moi, j'aime la Belgique pour ça. Parce que tu manges bien là-bas, t'es content quand tu manges. J'aime bien la Belgique, j'aime bien Bruxelles, c'est la base. Je vais aller plus souvent à Bruxelles. Si y en a qui me suivent, qui viennent de Bruxelles, on va se voir là-bas, on va manger des frites. Ouais, on va faire les choses bien. Enfin, par contre, je suis pas trop frites. S'il n'y a pas de viande derrière, c'est compliqué, mais on va manger des frites quand même parce que vos frites. C'est quelque chose, c'est quelque chose, ça n'a rien à voir avec ce qu'il y a dans nos grecs, nos frites molles. 30, on va repartir tranquillement pour la dernière. On fait les choses bien, hop, prise large. On monte au soulevé de terre, bien les fesses, on met bien les fesses en arrière et on y va. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 5. 1, 2, 3, 6. 1, 2, 3, 7. 1, 2, 3, 8. 1, 2, 3, 9. 1, 2, 3. Oh. 10. Je mets mon temps de repos. Hop. Voilà. Tu prends 2. À 3 minutes de repos, tu bois ton eau, très important. D'ailleurs, c'est où mon eau? Je vais la boire et on passe au dernier exercice. Bon, dernier exercice, exercice que j'aime bien, que certaines personnes n'aiment pas, mais moi, j'aime bien. Tu vas prendre soit ta barre, soit tes haltères et on va faire ça. Hop, hop, ok? Tu verras, ça va te faire mal, mais c'est bien. Par contre, on va pas faire 3 secondes, d'accord? Les 3 secondes, on s'est mis bien au début. Là, c'est une finition tranquille, vraiment tranquille. 4 fois 10 reps. Et là, ça fait du bien d'avoir un micro-cravate parce que peu importe si je suis dos à la caméra ou pas, on va bien m'entendre. Je vais mettre mon retour là. Hop! Tu prends ta barre, tu la mets derrière toi en prise large et on y va. Une. 2, 3, 4, 5, 6,
7, allez, 8, 9 et 10. Hop, hop. Ah. Franchement, non, ça fait mal. Hop, je remets mon retour là. Enfin, je prends mon retour avec moi. Franchement, ça, en finition, il n'y a rien de mieux. Développé militaire nuque. Je sais pas si ça s'appelle comme ça, mais on va l'appeler comme ça, développé militaire nuque. Ça fait du bien. On va plus travailler l'arrière des épaules, très important. Parce que quand tu bosses le dos, tu vois, l'arrière-épaule, tu vois la boule que ça fait. C'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on va avoir. Moi, ça va, j'ai réussi à l'avoir. Mais toi aussi, tu vas l'avoir, on va tous l'avoir, c'est important. D'accord, c'est important, avoir un dos complet, les épaules complètes, c'est très important dans la musculation. C'est pour ça que je l'ai mis dans ce petit programme dos. Repos, 1 minute, 1:30, tout dépend de toi et ta forme. 54, ouais, nous on va partir au bout d'une minute. Même si j'ai fait ma séance juste avant, c'est pas grave. Moi je suis chaud. Et on va repartir. Allez, deuxième, j'ai fait montrer ou pas? Ouais, j'ai fait montrer. Allez, hop, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, allez, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok. Oh. Hop, deuxième barre, on est bon. Effacer, bam, très bien. Oh. Quand j'ai commencé les programmes de musculation, je pensais pas que ça allait autant marcher. Et je vous dis ça, mais j'ai pas énormément de vues dans les programmes. Mais pour le peu de vues que j'ai, après, je parle du peu de vues comparé aux autres youtubeurs muscu. Tu en as, ils font des 10 000, 15 000 vues. Mais dans les 300 vues ou 200 vues, il y a beaucoup de personnes qui suivent les programmes. Et ça, vous m'envoyez des messages. Et franchement, je suis content de fou, ça me fait plaisir. Je me dis, au moins, ces programmes, ça aide. Il y en a même un, il m'a envoyé son évolution. Et je suis trop content. Et je me dis, toi qui me regardes et qui m'envoie ton évolution, j'espère que ce programme d'eau, il va te fumer la gueule. Non, clairement, toi en particulier. Parce que toi, t'es voulu trop vite à mon goût. Ça, ça va te faire mal, d'accord? Et si ça te fait pas mal, tu m'envoies un message, tu dis, dame, ça m'a pas fait mal. Prochain programme d'eau, là, on va rire, d'accord? Toi et moi, on va rire, c'est important. 1 minute 5, vas-y, on repart. On repart. Toi, je précise, tu peux rester jusqu'à 1:30. Moi, comme je suis un fou, je repars maintenant. On y va. 1, 2, 3. 4, 5, oh, faut pas que je casse le matériel là, 6, allez, 7, 8, 9, et 10, ok, oh. Troisième trait, on est bon, on balance le temps de récup, oh. On est presque à la fin, d'accord? Il reste une dernière et c'est fini. Oh, comme je t'ai dit, j'ai fait une séance pec épaule tout à l'heure. Là, je suis bien. Mais voilà, j'avais encore un peu d'énergie, encore un peu de force. Donc je me suis dit, je vais te faire un programme, sachant que j'étais très motivé par vos messages. Donc, merci. Merci beaucoup. Et en plus de ça, demain, j'ai un tournage professionnel. Ce qui fait que je ne pourrai pas aller en salle demain, malheureusement. Donc, je me suis dit, quitte à me fumer la gueule maintenant. Comme ça, au moins, demain, je serai free. Et si j'ai de la force demain, je referme le programme demain. D'accord? Ouais, parce que sur YouTube, comme j'ai dit, pour ma vidéo de 2020, enfin 2021, cette année, je fais du contenu. Que j'ai beaucoup d'abonnés ou pas, je fais du contenu, c'est important. Et je vois que mon contenu, ça aide des gens. Et ma devise, que sur ma page Facebook, à l'ancienne, je disais, tant que je motive une personne, je continuerai et je lâcherai rien.
et je reste dans cette optique-là. Aujourd'hui, on est plus de 2000 sur la chaîne, donc merci beaucoup, mais je lâcherai pas. Donc, merci à ceux qui m'envoient des messages et qui me disent « Dams, lâche pas, continue !» Je continue, les mecs. On doit avancer ensemble. Allez, et on va faire la dernière ensemble, tranquillement. Une. Deux. Trois. Quatre. Allez. Cinq. Six. Sept. Allez. Huit. 9, 10, oh putain, allez, oh. Mon petit trait de validation, temps de repos, je suis pas obligé de le mettre, oh. Voilà, ce programme est terminé. Toi, tu peux soit faire un autre programme, ou soit t'arrêter là. Ce qui va bien avec le dos, c'est les biceps, juste après, ou les épaules. Ou encore un programme dos si tu veux vraiment te fumer le dos, d'accord? Moi, c'est ce que je préconise. Par contre, comme tu le vois, j'ai bossé avec une barre EZ. Tu peux bosser soit avec des haltères, pour tous les exos que j'ai fait, mais aussi une barre droite. Enfin, j'ai une barre droite ici, tu la vois pas, mais tu peux bosser aussi avec une barre droite. C'est pareil. Moi, c'est juste que voilà, la barre EZ, elle est là, je vais pas prendre la barre droite. En plus, la barre EZ, j'ai des attaches qui sont bien, donc j'ai pris la barre EZ. Mais barre EZ et barre droite, c'est pareil. Pour tous les exos que j'ai fait, j'aurais pas une meilleure prise ou un meilleur dos avec ma barre Z. Sachant que la barre Z, j'ai pris en prise large. Et en prise large, c'est comme si que je prenais une barre droite. Donc voilà, c'est pareil. Bon, si t'as kiffé ce programme, mets un j'aime, mets un commentaire. Ça fait super plaisir. Abonne-toi à ma chaîne YouTube si c'est pas fait. Et aussi à mon compte Instagram, c'est très important. Et moi, je te dis... Porte-toi bien et à la prochaine pour la suite. Peace.